Chers téléspectateurs de MR24, samedi le 19 mars 2016, un match de football de l'équipe Raja et Shabab El Hussima tourne au drame. Ces violences ont éclaté entre deux groupes de supporters du Raja. Ces affrontements ont fait 2 morts et plus de 50 blessés. Venez découvrir avec nous ce que nos Marocains pensent de ce drame. Hier, j'ai regardé ce match en direct. Il y avait le Raja de Casablanca qui a joué contre le Shabab Rif al-Hussaimi, l'équipe de Rif. Malheureusement, nous, on ne savait pas. On savait que le match est fini, qu'il n'y avait rien de grave, rien de blessé. Mais malheureusement, après le match et à travers les médias, on a su qu'il y a eu beaucoup de dégâts, il y a eu des personnes, des morts aussi, beaucoup de gens blessés. Et franchement, au Maroc, ils en ont marre maintenant parce que toute la semaine, on voit des trucs pareils. Et j'ai vu aujourd'hui la décision de la Fédération royale marocaine de football. Ils ont pénalisé le Raja de Casablanca, et ça je suis tout à fait d'accord. Le Raja de Casablanca ne va pas jouer pendant 5 matchs, ils vont jouer à huis clos, sans public. Et je trouve que c'est une très très bonne décision que la Fédération marocaine a la disque, voilà. C'est juste catastrophique et c'est juste inadmissible. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Je suis désolée, des jeunes vont regarder un film pour se divertir, un match, et au final ils se font tuer. Je trouve ça juste scandaleux. Il n'y a pas assez de protection, vraiment pas. Le Maroc devrait installer plus de gendarmes ou de la sécurité pour des matchs comme ça où il y a énormément de monde. Je suis désolée, on envoie nos enfants et au final ils perdent leur vie. C'est pas normal. Donc j'aimerais dire à l'institution marocaine qu'elle devrait faire plus attention à nos enfants. Je suis désolée, des événements comme ça de cette ampleur ne devraient pas rester de cette façon. Enfin, je suis désolée, il y a des morts et au final on n'en parle pas. Une vie, je suis désolée, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Et on bâcle tout ça et je trouve ça pas normal, vraiment pas normal. Les enfants de 5-6 ans, ils n'ont pas à être dans des matchs comme ça. Il faut renforcer la sécurité. Voilà. Je vous le dis, je suis en Belgique et je trouve ça scandaleux, vraiment. Ça ne me donne pas envie d'aller au Maroc. Donc bougez-vous un petit peu, renforcez votre sécurité. C'est nos enfants, c'est notre avenir qui est en train de mourir. Qu'en pensez-vous du drame qu'il y a eu hier? En fait, le drame qui était... c'est vraiment un drame, il faut le condamner très fort. Parce que franchement, le sport, c'est un plaisir. Les gens, ils vont dans les stades pour passer de très bons moments, pour encourager une équipe. Mais quand ça dépasse les limites, quoi, il faut vraiment jusqu'à interdire les gens de regarder des matchs, pareil. Mais franchement, on peut que le condamner, quoi. Les gens sont très mal disciplinés, mais à mon avis c'est la drogue que les Marocains ils prennent. Malheureusement, ça coûte moins cher, c'est Karkobé ou je ne sais pas quoi. Ça met les gens dans une situation vraiment très très désagréable, ils ne savent même pas contrôler eux-mêmes. On entend toujours, parfois il y a des jeunes qui arrivent même à tuer leurs parents à cause de cette drogue. À mon avis, il faut vraiment... sécurité maximum, éviter des gens qui qui encouragent ce type de discipline, de les arrêter, de les mettre en prison et de les condamner vraiment comme ça. C'est une qu'ils soient exemple pour tout le monde, quoi, pour tout le reste. Avez-vous encore autre chose à dire aux téléspectateurs qui nous suivent? Franchement, le sport, c'est un plaisir, ça ne doit pas être des funérailles et des pleurs. Ça doit être de la joie, de la musique, d'oublier le routine quotidien, d'oublier nos malheurs quotidiens, de casser la routine, mais pas que se déroule, qu'il soit un drame pour toutes les familles. Il faut vraiment penser aux gens, que cette maman qui a perdu peut-être son fils ou bien ce gamin qui a perdu son papa, c'est vraiment un drame, il faut l'éviter. Merci beaucoup.